Dans Sporting News aujourd'hui, un tweet de Laure Manaudou fait polémique. Les joueurs du PSG poussent la chansonnette, les enfants Beckham fans de Justin Bieber, Lionel Messi se met au basket et les dernières news jeux vidéo. Laure Manaudou est au top de sa forme. Qualifiée pour les prochains JO à Londres, la nageuse française s'est récemment exprimée sur la tuerie de Toulouse. Une intervention largement critiquée. Surtout qu'il s'agit des meurtres de 7 personnes, dont des militaires et des enfants. Un événement qui a choqué la France entière. Selon Laure Manaudou, ce drame serait la faute des jeux vidéo. Elle suggère sur son compte Twitter de supprimer les jeux vidéo pour éviter ce genre d'acte. Une intervention bien maladroite qui lui a valu une avalanche de critiques sur Internet. La Française a même dû fermer son compte Twitter. Interrogée par le quotidien Le Parisien, Laure Manaudou reconnaît sa maladresse sans pour autant remettre en cause son point de vue. Comme quoi, parfois, Laure ferait mieux de garder la tête sous l'eau. Les joueurs du PSG se mettent à la chanson. On aura tout vu. Pastore, Gamero, Sissoko, Serra, Maxwell, les stars du club parisien poussent la chansonnette. On ne sait pas si Carlo Ancelotti a voulu resserrer les liens ou si Al Jazeera avait besoin d'un nouveau coup de pub, mais les joueurs du PSG viennent de sortir leur tube, la chanson officielle du PSG. Enregistrée dans un studio en région parisienne, certains joueurs se sont volontiers laissés prendre au jeu, comme Mamadou Sakho dans le rôle du chef d'orchestre ou encore Guillaume Oharo travaillant péniblement à la création d'une chorégraphie en compagnie de Nicolas Douché et de Sylvain Armand. On vous laisse juger. C'est à se demander si, tout comme la musique, les joueurs se sont inspirés de la version originale Go West des Pet Shop Boys, groupe icône gay des années 80. N'en déplaise à Zoumana Camara, mais on est bien loin des tubes de Stevie Wonder. David Beckham est prêt à tout pour faire plaisir à ses enfants. Malheureusement pour lui, ça ne se passe pas toujours comme il veut. Les Beckham ont sollicité la star des ados, Justin Bieber, idole de leurs 3 garçons. La famille s'est rendue en studio pour le rencontrer pendant qu'il enregistrait son album de Noël. Brooklyn, Romeo et Cruz ont pu enfin approcher leur chanteur préféré, comme peu de fans en ont le privilège. Après la rencontre, Justin Bieber a envoyé des guitares dédicacées aux 3 garçons, mais sur celle de Romeo, il y avait marqué Pax. Le chanteur a confondu Romeo avec Pax, le fils d'Angelina Jolie et Brad Pitt. Carton rouge pour Justin Bieber. Lionel Messi se met au basket. Qu'on se rassure, ce n'est que le temps d'une publicité. Son sponsor nutritif officiel Herbalife met en scène la star du Barça dans un 1 contre 1. Déjà impressionnant au ballon rond, le meilleur joueur de toute la planète défie les lois du ballon orange plutôt habilement. Le secret de Messi serait donc dans des compléments nutritifs? Après la chanson, Rihanna se met au foot. Enfin, seulement le temps d'une scène dans son premier film, Battleship. La star du R&B fait ses débuts dans le 7e art avec une grosse production américaine de science-fiction. Des extraterrestres veulent envahir la Terre et l'armée américaine va tenter de sauver le monde. Rihanna joue un GI qui se détend en jouant au foot avec ses camarades. Pour voir Rihanna en short s'essayer au passement de jambes, rendez-vous le 18 mai prochain. Quand eSports réunit 2 des plus grands champions de la planète, cela donne un duel au sommet, un duel of the Masters. Un affrontement sur le tatami qui mixe golf et kung-fu avec humour. Surnommé le Swinging Giant, Shaquille O'Neal est un joueur mythique de l'histoire de la NBA. Sa rencontre avec Tiger Woods est en fait un film tourné à l'occasion de la sortie du nouveau jeu vidéo Tiger Woods PGA Tour 2013. Et c'est donc le tigre qui gagne à la fin. Mais la rencontre entre ces 2 champions est véritablement historique.